Est-ce que tu m'entends, Léo? Et ça met toujours dans la catégorie Resident Evil 4 original, hein. Allez. Ouais, alors du coup, j'ai. Bah, bonjour, bonsoir, bonsoir plutôt. L'heure qu'il est, 21h56. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai un peu avancé en off. Hein, j'ai fait une petite zone. J'allais récupérer de l'essence, hein, bah, pour le. Bah, oui, parce que dans cette version-là, il vous demande de l'essence pour le bateau. Loul. Et en fait, ça reprend la zone des marais, un peu dans les marécages qu'on est. Et j'ai affronté Del Lago, la créature du lac. Voilà, en gros, ce que j'ai fait. Et là, je vais reprendre au chapitre 4. 3-4. Bref, quand on arrive dans les environnements de nuit, on a les plagas qui commencent à sortir. Faudra les achever, tout ça, bref. C'est très très la rigolade, je sens. Bon, ben, ne m'en veuillez pas aussi si je suis. Si je suis nul, ne m'en veuillez pas. C'est ainsi que la vie est faite. Allez! Allez! Et on continue, évidemment. 4. Après avoir craché du sang, Léon perd soudainement connaissance. Quelque chose se trouve sur son corps et le ronge en silence. Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. À l'aube, tu rejoindras toi aussi notre culte. Tu profiteras de ma sainte bénédiction. Pour toujours. Ah. Intéressant ça, parce que dans la version originale, il se réveillait dans une cabane. Bah déjà, on allait jusqu'à une cabane, s'écrouler là, on trouvait un petit mot dada. Intéressant ce petit changement là. Bon, je me suis acheté aussi le sniper, le premier sniper. Oui. Oui, allô, bonjour! Condor 1 à Perchoir, tu me reçois? Condor 1? Ça fait 3 heures que je suis sans nouvelles. Tout va bien? Ouais, ça va. Ça se reproduira plus. Et l'église? Je cherche toujours la clé dont j'ai besoin. Reçu. Contente que t'ailles bien. Terminé. Ouais, il va bien, il va bien. Je suis pas si sûr. Hein. Voilà, donne-moi des munitions. Voilà, trouver la clé de l'église. Et bah, ok. Donc là, je m'en souviens. Et normalement, je crois qu'on rentrait dans une de ces cabanes, un truc comme ça. Par ici, dans la version originale. Cette chaîne, casquette de flic. Intéressant. Bon. Rien d'autre. Ah si, là on peut ouvrir. De l'herbe rouge, est-ce que je peux combiner? Oui. Oh, j'avais pas vu. Regardez, mon inventaire, il est complètement plein. Alors, attends. Hop, on va faire le méga élixir. Voilà, parfait. Je suis blindax. Hop. Voilà, et j'ai acheté aussi le TMP. Voilà, voilà. J'en avais besoin. Je voulais acheter le TMP. J'aime les mitrailleuses. Les mitrailleuses qui mitraillifient. Bon, voilà. Donc, ouais, dans l'origine, on se réveillait ici. Par contre, on n'a toujours pas vu Ada, hein. C'est complètement différent, là. Bon, Del Lago n'est plus. Toujours des pétasses à récupérer, ça fait plaisir. J'aime récupérer des pétasses. En tout cas, c'est un endroit effrayant. Effrayant qui fait peur. Ah oui, alors attendez, parce que je suis en direct sur Twitch. Hop, je le précise s'il y a une rediff sur YouTube. Hop, alors. Alors. Je.
suis sur Xbox Series S et je n'ai pas de notification si vous laissez un message sur le chat. Donc, DSL, si je ne réponds pas tout de suite, voilà, hop. On sait jamais, on sait jamais. Mais c'est Muguette. Salut, salut Muguette, comment vas-tu? Hop, épingler le message, voilà. Et toute la durée du stream. Voilà, voilà. J'espère que tu vas bien, Muguette. Bon. Alors, attends, moi j'en étais là. Attends, bah écoute, ça va tranquille, hein. Hâte d'en découdre avec ces foutus espagnols. Ils sont où? Je les entends, ils sont pas loin. La brisa. Non, je ne vois pas d'espagnol par ici. On les entend. Ah oui, elles sont spatialisées aussi. Attention à pas me faire marcher sur le, pas marcher sur les pièges. Et maintenant je redoute les pièges à loups. Voilà, attendez, là il y a un truc. Voilà, parfait. L'herbe rouge. Dans un lieu de cul. Voilà, des fois dans un lieu culte. On les entend prier, les espagnolos. Petite sauvegarde automatique, ça fait plaisir. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est toujours un plaisir. Ah, je crois que je vois des espagnols. C'est quoi cette merde, ouais? Ah, voilà ce que j'ai. Attention! Ah, putain de merde. Mais attends, comment j'esquive ça là? Ah non mais ouais, non mais... Attends, putain, c'est quoi cette merde? Ah voilà, le moment que je redoutais. Point faible des parasites. Les parasites qui sortent du corps des ennemis sont vulnérables à la lumière intense. Utiliser des armes... Ouais, d'accord. À lumière intense. Ok, ok, bon, bah, c'est pas grave, on va reprendre là. Le moment que je redoutais. Donc des grenades flash. Bonjour, bonjour, bonjour. En plus, je t'ai pas visé. Voilà. Quand tu sais viser, ça va beaucoup mieux. Oh putain, Ali est star. Non, non, non. J'ai fait un beau carton. Ça va. Je suis bien débrouillé. Voilà, ouais, non mais ça rejoint bien mes souvenirs. Et d'ailleurs, pour qu'il soit en PLS, c'est-à-dire Shakira en espagnol. Shakira en espagnol, comment tu le dis? Bah c'est Shakira en espagnol. Tu crois qu'il faut que je leur chante des chansons espagnoles? Des petites versions en espagnol? Hola, esta, cabron! Me llamo, je sais plus. Me llamo Revan. Está unos grosos burrinos. Bon, là j'avance. Bon. Voilà. Maintenant je vais devenir paranoïaque des plagas. Oh putain, c'est tout noir, ça fait peur.
Ça fait tout peur là-dedans. Là, je regarde, il y a peut-être des... de l'argent à se faire avec des diamants ou des... du loot. C'est quoi cet endroit? Bonne question. Attention. On dirait une sorte de sanctuaire. Ouah. Ouais frère, il est chelou ton sanctuaire, hein. Putain, foutus espagnol, hein. Le même symbole qu'à l'église. Ouais, donc sauf que là c'est des mains, ok. Et l'endroit il fait flipper là, la musique. Enfin la musique, c'est pas vraiment la musique, c'est plutôt du bruit d'ambiance. C'est le lac. Tiens, tiens, tiens. Ah bah une carte du lac, ça fait plaisir. Examiner les deux endroits. Quels deux endroits? Et de l'église, ouais. Mais quels deux endroits? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, que Shakira soit espagnole. De quoi? Shakira est espagnole. Espagnole, Shakira? C'est pas une latinas? C'est ça, la clé? On dirait. Ah, faut que je pose des trucs. Ah, ok, ok. Bon. Ah là, là il va y avoir la grosse brinas. Putain, encore du, encore le marchand qui va me poser des questions. Ah, clé des petits hôtels. Cool, cool. Ouais, je me souviens de cet endroit sur la version. Eh, hey, c'est fou, hein, je joue à la version, à cette version remake là, et j'ai les. J'ai en tête la version originale. Progression 1, tu sais. Hein, qu'on aille me chercher un œuf de poule dorée. Hmm. Pas spécifique ça. Hein? Cuvet! Ah, ça c'est une partie qu'ils ont rajoutée, hein. N'existait pas ça en... en 2005. Attends, attends, attends. Je peux me faire attaquer? Oh, calme-toi. D'accord, super, je peux me faire attaquer. Ouais, d'accord, faut que je monte, j'ai compris. Mais d'abord, la fouillance. Mais attendez, je connais cet endroit, je suis chez le marchand. Mais oui, je suis revenu là où j'étais. Mais oui, on est chez le marchand. Oh là, j'ai fait un back trip. Car les colombiennes et beaucoup se trompent. Manière des espagnols. Ah. Donc pour trigger les espagnols, tu dis ouais, Shakira. J'ai quelques nouveautés en stock. Viens y jeter un œil. Eh ben, bienvenue. Bien. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Merci, mon pote. Attends, échanger. Une herbe jaune. Certaines choses que l'argent n'achète pas. Ah, pour le TMPA, ça a acheté. Ça sort dans les missions. En quoi puis-je t'être utile? Offres limitées, les offres de réduction ce ne sont valables que pour les chapitres durant lesquels elles apparaissent. L'argent, je te le garantis. Ah bah merci. Offre spéciale. Formule mine, mine exclusive. Ah j'ai pas assez d'argent pour m'acheter la nouvelle ballette. Attends, je peux me faire de l'argent. Ah, est-ce que je le vends maintenant? Putain, je suis presque à bout. Aïe.
Calme-toi, oula. Attends, attends, mon pote. Acheter, hop. Modifier une arme. Tiens, 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 la puissance de couteau. Je peux le réparer. Un couteau, pas nécessaire. Qu'on s'en occupe. Ouais, non, mais je sais. Parfois qu'à une lame bien aiguisée. Ouais, j'ai pas assez d'argent. Pas assez d'argent. Le rechargement du pompe, ouais, ça peut, ça me paraît. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Calme-toi. En quoi puis-je t'être utile? Comment? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Ouais, non, mais j'ai pas envie de savoir, en fait. Est-ce que ça revient quand tu veux, surtout? Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis. Hop! Petite sauvegarde, obligée. Non, non, non! Ici. Allez, let's go. Et maintenant, bah, du coup, faut que je me voie, que je voyage sur le lac. Hop! Attends, 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 visiter les deux endroits, mais parler de quel endroit? Là-bas, j'imagine. Je suis déjà allé là-bas. Attends, là-bas. Faut que j'aille là. Donc il faut que j'aille sur cet embarcadère, j'imagine. Que je revienne ici. Attendez, attendez. Je vais le visiter là-bas aussi. Je vais faire le tour pour avoir tous les petits hôtels, toutes les conneries et tout, ok, ok. Bon bah allez, let's go hein. C'est parti. Exploration. Bon, je vais te laisser à demain. Bonne nuit Muguette, à demain. Ok, donc là je reviens en arrière. Intéressant. Oula, par contre les textures là. Le retard d'affichage, ça par contre c'est pas cool. D'accord, donc je suis dans un poulailler. Ok, je vais prendre ça. C'est quoi ce bruit? J'ai eu peur d'un coup. J'ai entendu un bruit pas très halal. C'est vraiment là que j'ai lui indiqué sur la peinture. Donc l'autre il est où? Petit truculade, on entend des bruits pas très halal, moi je dis dans l'eau. Ouais. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Qui qu'il y a là-dedans? King Kong. Des indices.
Ah, je crois savoir. Où sont les amis? Les buts de manette sont faibles. Alors, sans deck. Ah, j'ai cru voir briller un truc. C'est pour ça. J'ai cru voir briller un truc, mais en fait, rien ne brille. Je me suis fait eu. Non. Le quoi, non? Attends, je vois bien les symboles là, mais attends. Réfléchir. Attends. C'est là. Vous n'en faites pas, je vais trouver l'énigme. Alors on a ce symbole là, on a une sorte de... Ouais, une sorte de bouc. On va dire un 3 avec une barre, un 3 barré. 3 barré, 3 spermatozoïdes. Ça, 3 barrés, 3 spermatozoïdes. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire comme ça là, avec ça. C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Parenthèse, une parenthèse. Et l'hélicoptère. Hélice. Ou alors est-ce que c'est dans le sens dans lequel on voit les 3 spermatozoïdes? Après tu viens là. 3 spermatozoïdes. T'as la parenthèse, le 3. Et poisson. Alors spermatozoïdes. Ouais mais moi mon technique sont complètement con. Parenthèse, 3 poissons. Hein. C'est quoi? Spermatozoïde. Voilà, spermatozoïde. La parenthèse. Où est la parenthèse? Ah, moi c'était un 3 avec barré. Comme ça. Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Hein. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Je vais y arriver, je vais réussir à trouver ce qu'il faut faire.
Donc là, c'est juste une sorte de petite parenthèse avec une. Donc je ne sais pas vraiment. Donc alors, on va dire ça. Juste un petit cercle. C'est peut-être ça. Le 3 barré. Non. Donc là, on est bien d'accord qu'il y a le 3. Ah là, je peux pas faire mieux. Je ne peux absolument pas faire mieux. Attends. Je suis désolé, hein, je suis en pleine réflexion. Une qui me donne un peu de fil à retordre, ça fait plaisir. Ou ça ne fait pas plaisir, ça va dépendre selon certains. On est d'accord. Et tout ça. Ah, c'est fermé. Est-ce que ça marche avec ça? En fait, ça se trouve, je me trompe et c'est qu'un seul symbole, hein.
ça, tac, avec un cercle comme ça. Ouais, c'est qu'un seul symbole, je pense. Hein. Et ensuite, il y avait celui-là. Et ben voilà! Je m'étais pris pour la tête, j'avais confondu. J'avais mis deux symboles en un. Mais ma surpuissance intellectuelle a dominé. Ok, parfait. Tête de bloquer ma carte. Dégueulasse. Et j'avoue, ça m'a surpris. Bien joué. Oui, j'ai rajouté aussi les petits porte-bonheur, tout ça, tout ça. Alors, je vais voir, tête de blasphémateur. La clé de tous les petits hôtels, ça fait plaisir. Tête de blasphémateur, la tête d'une statue de pierre. A des cornes et son visage est déformé par l'angoisse. Bon, c'est à partir de maintenant que les ennemis vont apparaître. Pareil combien? Allez. C'est moi où j'ai entendu des bruits? Je suis devenu parano. Tac. Attends, j'ai encore des trucs à récupérer ici. Trésor d'extension. Comment ça, trésor d'extension? Ça? Si tu veux, pourquoi pas? Bon, ça me sert à rien. Il y a encore des trucs à récupérer ou pas? Parce que comme ça brille encore, hein. De la petite grotte. Ah non, c'est juste la porte là. Ok. Bon, et bah écoutez, je sais pas pourquoi ça brille toujours en rouge. Je me suis dit peut-être qu'il y a encore des trésors d'extension, mais en fait pas du tout. Je le casse. On se casse, on se casse. Je suis dans le lac, ok. Faut que j'aille là, mais là, attendez, là, je peux aller voir là. Ok. Donc là, faut vraiment que j'aille là-dessus, quoi. J'ai visité cet endroit mais j'en ai aucune idée. Un piédestal en pierre. Tu es?
y a tout un endroit là où je suis pas allé. Bon, bah écoutez, je vais pas jouer plus le furieux que ça. Je vais aller à l'endroit où il m'indique. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ah putain, j'ai pas essayé de tirer dans le lac. J'ai pas essayé de tirer dans le lac avant. Pour voir s'il me donnait des... comment ça s'appelle. Si, parce que dans l'opus original, quand tu tirais dans le lac, tu pouvais faire venir des lagos. Allez, recule. Allez, recule, mon frère. Voilà, parfait. C'était par ici que j'étais censé venir. Ouais, évidemment, il va falloir que je fasse tout le tour. Ouais, parce que ça pourrait pas se passer autrement. Évidemment, ça s'ouvre pas. Et ouais. Onde estás? Je vais me cacher. Y ni compran pas de cubudita, señorito. Évidemment. Lui il a dit t'es sérieux. Okay. Une balle de sniper en tout cas, ça fait l'histoire. Voilà. Mais non, je fais pas partie du star. J'ai l'habitude d'appuyer sur B pour, comme pour faire une roulade. Et viens là. Mais viens là mon gros, n'aie pas peur. Allez, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Vite! Je me suis vite reculé, histoire de pas me faire parasiter. Dégage! Voilà! Nous transformado, señorito! Ah non, mais là vous êtes un peu trop. Ouais, en plus y'a. Ouais. Putain, Rosebar. Pfiou! T'as juste réflexe là du couteau. Et merde! Ah, pas trop le choix, hein. En tout cas, lui, il a une dégaine bizarre.
En tout cas, il me donne de la vie. Donc, merci, monsieur. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire. J'ai une herbe verte, on va la conserver. On va manger, des œufs. Est-ce que vous aimez les œufs? Ah, bah attends, je viens juste de remarquer. Non seulement j'ai une herbe verte, oui, mais en plus j'ai une herbe rouge. Et voilà la combinaison spatiale et non pas spéciale, à ne pas confondre. Wally Walou. Juste deux petites secondes. Hop. Wally Walou. Voilà, voilà, Wally Walou. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Allez. Hop. Ah oui, je voulais manger des œufs. Manger des œufs, c'est bon pour la santé. Tac, je me suis permis de la vie. Ouais, on va garder comme. Eh, c'est assez régénérateur, hein, les œufs. Quoi qu'on en dise. Bon, j'imagine, c'est là où ils ont trouvé les plagas, hein, dans l'origine. À l'origine. J'avance tout en marchant, histoire de pas me faire surprendre. Je me suis fait surprendre. Eh mon con. J'essaie de viser avec la dynamite. Voilà. Faut pas jouer avec ça. Oh vous Martin, c'est de la dynamite. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces véhicules. Regardez, on dirait qu'il est pas mort là, avec les plagas là qui bougent encore en lui. C'est dégueulasse. Foutus espagnols. Foutu Messi. Je sais, il est pas espagnol, il est argentin Messi. Hop. Je regarde où j'en suis. Là, on peut monter. Là, il y a. Ah, je peux faire le tour pour aller ouvrir la porte. Ce qu'on va faire. Mais attention. Soyons prudents. Ouais, la fameuse échelle. El famosa échelas. Voilà. Profitons du raccourci. Voilà, hop. Attends. Comment on fait pour... Attends. Je voulais juste regarder un truc. C'est dans les commandes pour le retourner automatique. Demi-tour auto... Oh, putain, L et RB. Je ne suis pas... Je suis peut-être con, mais pas vaincu. Là, il y a un trésor à aller chercher. Là, l'échelle. Je monte. Et donc, le truc, il est au-dessus. Et il y a une deuxième échelle ici. On va passer par en bas. Oh, putain, la vache! Rob Fernando! Oh, mon Dieu. Oh! Mais qui se sont... C'est petit holo. Oh, putain. Ils sont sortis... Ils sortent de la fou. Oh, putain. Oh, la vache. Brûle! Enfer! Ah la vache! Bien joué! Merde, je voulais viser la lampe. Pas la torche. J'ai des petits problèmes de viser. Pas mal, hein. Vite! Avant qu'il ne se transforme. T'es pas assez déjà brûlé, toi? Eh ben putain. Et oh, salut Scampio! Bonsoir, bonsoir. Voilà, merci. Foutus espagnols. Oui, alors tout à l'heure, je les ai appelés les holos parce qu'on est en Espagne. Vous savez, comme je... Oh putain. Comme vous savez, je suis un joueur de Bleach Brave Souls. Et donc voilà, Bleach, l'Espagne, les holos. Eux, c'est des mobs de base, donc c'est les holos. J'apprends à viser. Et putain de merde.
Faut bien prendre à viser. Putain, rechargement. Allez, allez, recharge mon con. Voilà. Putain, y'a Spagnolo en haut. Il est où? Il est où? Putain, il est en haut. Je vais vite faire le tour. C'est moi qui descende. Il est en haut, il est par là-haut. Bah, pas mal, je prends la Spinel. Oh, Spinel, il y en avait plein dans le jeu original. Ah, c'est ça, en fait, c'est, je croyais que c'était des pétales de rose, mais en fait, c'est des... Hop. Ça va, bah ouais, tranquille, et toi, ça va, Scorpion? La forme. Depuis tout à l'heure, t'arrives à t'aspirer. Tac. Détonneur de stream. Voilà. Alors ouais, je l'ai épinglé dans le chat. Hein, ouais. Bonjour messieurs les Espagnols. Pour les holos. Oh le con. Voilà. Bâtard. Foutu espagnol. Oh putain non. J'en cherche dans toute la grotte. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ces espagnols là qui nous mettent des énigmes de partout? Ah, je vais à l'Espagne, je vous l'ai déjà dit. Ah bah ouais, je disais ouais, des signes de partout. Donc il y a ça, ok. Là. Ouais. Et pour se rappeler du code, ils les auront pas sur les parois d'une caverne. Ah non, c'était juste un piège, d'accord. Hop. Oh, ça va toujours. Je suis dans un état de fatigue. Ah ouais? Quel état de fatigue? Fatigas. Comment ça se fait? Qu'est-ce que t'as fait toi aujourd'hui? Tu sois aussi fatigué, Scorpion. Hop. Ouais, bah j'imagine que le premier ça doit être lui. Attends. Ouais, les deux comme ça qui pendouillent, c'est lui. Il faut que je trouve sur toute la map. Oh là là. Foutus espagnol. Ah non, là, là, là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je vois à peu près c'est lequel. C'est les deux si. Donc le premier c'est les deux si, on est d'accord. Enfin, je dis les deux si, c'est pas... Mais ils sortent d'où? Ils sont popés. Ah non, Capcom, pas en 2023. Tu peux pas faire popper des mobs comme ça. Pas toi, Capcom. Pas parce que tout ce que t'as fait. T'as foutu Spagnolos. Oh putain, il se transforme. Vite, vite, le snipe. Oh putain, où il va? Oulala, c'était de la tension là. Je sais plus s'il m'avait. Foutu espagnol. Foutu espagnol. Je lui vise les genoux. Putain. Foutus espagnol. Ah et là-bas il y en a un troisième. Bon attends, faut que je descende. Envie de dormir? J'ai rien fait de spécial. Hein, la fatigue, c'est peut-être la fatigue de l'ennui si t'as rien fait de spécial. Non? Scorpion? Non, attends. Ouais, c'est. Putain, c'est quoi ça? Ouais, je vois. C'est, on va dire. Alors, on va dire. Senseiya. Senseiya. Poisson. Et. Parenthèse. Senseiya, poisson, parenthèse. Oui, j'ai des moyens mnémotechniques un peu cons. Alors, on avait dit Senseiya. Poisson et parenthèse. Non, c'est pas ça.
C'est peut-être l'inverse en fait. Donc alors. Parenthèse. Poisson. Senseiya. Non. Hein. J'ai loupé un truc là-dedans. Donc là on voit, c'est bien, c'est les deux poissons, les deux têtes à l'envers. Donc c'est celle-là. On est d'accord. Hmm. Oh putain, j'arrive. Si c'est les deux, là c'est la parenthèse. On est d'accord. Parenthèse. À moins qu'il faut que je fasse dans l'ordre dans lequel je vois. Et là. Et là, attends. Hop. Je suis allé chez la tante. Et j'ai commencé ma lettre de motivation. Ah là là, les foutues lettres de motivation, Scorpion. Putain. Ça c'est bien un arc. Ah bah force à toi hein, pour les rédiger, c'est toujours une merde. Tu peux toujours t'inspirer sur le sur les sites, tu vois. Mais bon, voilà quoi. Est-ce que c'est la merde? Mais en plus ce qui fait chier, c'est qu'à chaque fois, peu importe quand tu te demandes de l'aide pour les lettres de motivation, les CV, tout ça, il y en a pas un qui te dit la même chose. Il y a Pôle emploi qui va te dire ça, il y a je sais pas, t'as un conseiller qui va te dire ça, t'as un pote qui va te dire ça, complètement casse. Le mec il est pas sûr, ça fait 15 000 fois que je vérifie. Le mec pas sûr. Ah non, là c'est le... J'ai entendu l'eau dans l'eau, ça fait un bruit bizarre. Oh putain. Ça a fait un bulle bizarre dans l'eau. Donc. C'est peut-être bon. Alors, attends. On va essayer Senseiya. Poisson. Et arc. Ah bah c'était ça. Je m'étais trompé de symbole. Tête d'apostat. Bon appétit bien sûr. Hop, alors par pure curiosité. Ça, la tête d'une statue en pierre à la décante sur son visage est déformée par l'angoisse. Attends. Trésor d'extension. Oh putain. Ah le con. Oh Roger. Je me barre. Foutez-moi la peine, Espagnolos. Alors toi tu vas prendre pour tous les autres. Wesh. Enfoiré d'Espagnol. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Le cogno. Pas mal, hein. Impressionné. Oh non. Oh non. Putain, ouais, encore cette saloperie. Wesh. Je sais pas ce que vous bouffez, mais c'est pas de la paille là. Hein. Oh non. Bon, par contre, des balles de sniper aussi, ça commence à se faire rare. Eh ben putain. Foire d'Espagnol. Tous les mêmes.
Et voilà. J'étais pas venu ici. Voilà, parfait. 10 balles de munitions. De l'herbe jaune. De la bonne beuh jaune. Tac, on va quand même se reprendre un petit œuf. Voilà, et pas un petit œuf, hein, juste un petit œuf. Voilà, ça fait plaisir. Attends. Trésor d'extorsion, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Savoir un trésor d'extorsion. Qu'est-ce qu'ils appellent un trésor d'extorsion? Ça là. Et j'ai plus de munitions. Effectivement. Merci de me l'avoir dit. C'était très important pour moi et pour ma vie. T'as de la poudre noire. Où est la poudre noire? Où est la poudre noire? Voilà, voilà. Hop, fabriquer. Voilà. On se remet bien. Alors, trésor d'extension. Oh, c'est censé être là. Bon, je suis passé complètement à côté. C'est pas bien grave. On se casse de cet endroit. Et le bruit de la porte qui fait flipper, tu sais. Alors, tank, je continue à longer. Hop, je m'arrête là. Prochain embarcadère, je m'arrête. J'ai tout défoncé. Bon, on parie combien que Capcom ils nous ont mis des spagnolos là. En parlant de... Non, en parlant de spagnolos, faut que j'aille pisser. Bon, je vais pisser, je reviens. Et si je reviens pas, bah inquiétez-vous. Inquiétez-vous grave. Hop. Ça risque d'être dangereux. Hop. Oh putain merde, j'ai écrasé ma bouteille d'eau. Pas grave. Allez.
Au pire, il rajoute ça, je viens chercher. Hein. Ah, c'est bien. Eh ben, nickel. C'est bon, on peut se casser. Condor 1 à Perchoir. J'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant, on va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1 terminé. Pas le temps pour ces conneries. Alors, l'église, du coup. C'est. C'est ici ? C'est où chez le marchand ? C'est là-bas. Oula, par contre, il y a du retard d'affichage de texture. Je vais où là? Ah d'accord, c'était juste un petit tour. C'était par là chez le marchand. Ça me dit rien du tout ici. Je pourrais pas ressortir par là. Voilà, là, je me dis bien qu'il y avait un truc. Et merde. Attends, peut-être que si je réorganise Ah, tu vois, truc automatique. Ah bah voilà, heureusement qu'il y a le truc automatique, dis donc. Il n'y a plus qu'un seul endroit où aller. Le jeu en monde ouvert. Non, putain, je suis désolé, je vais juste devoir le message. Campion, j'étais en train de chercher le public. Ah d'accord, ok. Non, non, c'est pas vraiment de... C'est une zone ouverte, là, c'est tout. Mais bon... Ça, dans le jeu original, non. Dans le jeu original, il n'y a pas ça, tu vois. Ils ont juste ouvert cette zone quoi.
peux voyager entre les différentes zones et tout. Juste cette partie-là du jeu, quoi. Non. Voilà, on va dire que c'est une zone ouverte. Enfin, j'appelle pas ça un monde ouvert, moi. À titre personnel. Mais du coup, je sais plus où c'est chez le marchand. Ah bah c'est là. Ah bah c'est là, je vais chercher chez le marchand. Et du coup, ouais, c'est là, faut que je remonte. Parce que du coup, l'église, elle est ici, elle est là-bas. Attends. Pas moyen que je passe en dessous, là, où il n'y a pas un truc. Attends, moi, je suis là. C'est chelou. C'est chelou, cette histoire. Ouais. Bon, on va sauvegarder. Et voilà, j'imagine que je pourrais voyager pour aller voir les coffres, les différents hôtels. Mais je suis amené à revenir ici, normalement. Ouh, toi, tu dégages l'odeur du combat, l'ami. C'est une façon de me dire que je pue ? Voilà, chapitre 4, très bien. Bon, je suis censé repartir par là-bas. Je peux améliorer mon score au stand de tir. Mais je suis un petit curieux, je suis un petit peu curieux là. Du coup, je vais repartir par là-bas parce que attendez, là, regardez. Et là, normalement, on voit ça là et on voit que là, donc c'est juste moi qui hallucine. Je suis curieux mais pas trop. J'ai plein de choses à faire du coup. Peut-être quand je me referai le jeu, quand je ferai en New Game Plus. Bon, si je me souviens bien, là, sous le retour, il y a l'affrontement avec El Gigante. El Gigante, il va m'en mettre plein la gueule. Alors, il me faut des munitions. Est-ce que je peux fabriquer des munitions de... Ah, putain, merde. Des munitions de snipes. Des munitions de Wesley. Fabriquer. Voilà, munitions de fusil, c'est parfait. Voilà, hop, je réorganise et hop là. Et j'ai plus assez de poudre noire. Ok, d'accord. Alors là, c'est bien fait. Lui, il me demandait un œuf en or, lui. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Bienvenue. Je sais. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Je peux acheter. Je peux réparer le couteau aussi. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Ça t'épate, hein? Résistance maximum pour le couteau. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. J'ai un rubis que je pourrais vendre. J'achète tout. Et n'importe quoi. Suivant. J'étais sûr que je pouvais te faire confiance. Bah ouais. Bon travail. Mais de rien. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Toujours. Et voilà la requête. Merci. Si il te reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. Donc là, il est en train... D'accord, donc là il est en train de me dire, mon gars, là tu vas dans la suite du scénario, tu pourras plus jamais revenir. Donc si t'as des trucs à aller chercher, vas-y. Bah je connais les jeux vidéo, 30 ans de jeux vidéo les gars. Sorte de tir, ok. Mais qu'est-ce que je voulais faire avant? Ah oui, les trésors. Hop, sertir. Non, je ne peux pas sertir ici. Et là, non, je ne peux pas sertir ici aussi. Dommage. J'en ai deux, donc ouais. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Je la veux, cette mallette. Ma marchandise est en parfait état. Je te le prends. Ouais, faut que je répare le couteau aussi. Mais faudra que peut-être que j'améliore aussi mes armes, là, au bout d'un moment.
Là, je peux pas. Une arme pour répondre à tes besoins. Oh, si je les vends, peut-être. Quelque chose de plus beau. Merci. Ah, ça fait partie des requêtes, la vipère. Je vais la garder, ça permet de me soigner. 19 000, c'est combien la manette? Oh, ça t'en aura pas. Oh non! Non! Putain, il me reste pas grand chose. Il me faut une plus grande manette. Lance-roquette! Ah, je peux l'avoir pour 3 vipères vendues. Vendre. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Ah, c'est que j'en ai besoin, merde. Je peux pas lui vendre une merde, là. Est-ce que ce sera tout? Une pierre ronde de couleur fait jaune. Souffrir. Ah, je peux acheter c'est ça. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Ah, la crosse du TMP. J'en ai 7. Ah, il manque une pétale, une requête à lui faire. Est-ce c'est dommage. Autre chose. Elle va pas te faire tuer, hein. Oh, t'inquiète, poteau. On va bien sauvegarder ici. Voilà. Bon, on va aller se descendre un petit. Je vais aller me descendre un petit peu. Parce que je voulais pas montrer ça, du coup, parce que... Enfin, je l'ai pas montré. Bah oui, parce qu'en fait, comme j'étais en solo... On a tous besoin d'une pause de temps en temps, pas vrai? Ouais. Ah, est-ce qu'il y a un nouveau niveau? Certaines des cibles sont, ma foi, particulièrement robustes. Un seul tir ne... 3, 2, 1, allez! Ah putain, ils ont changé! T'inquiète, je recharge mon pote. Merde. Putain, ils vont m'avoir l'espagnolo. In the Navy, peut-être. In the Navy. Pidim, pidim, pidim. Attention, l'espagnolo. Ah oh, putain, j'ai perdu tous mes moyens. Ah putain de merde. J'ai fait encore moins bien. Je dois reconnaître que nous t'avons peut-être un peu sous-estimé. Ouais, je me suis un peu sous-estimé. Eh, c'est compliqué. Allez. Les cibles disparaissent au bout d'un moment, hein. Ne laisse pas le menu frotter. Ah là par contre c'est nul. 3, 2, vas-y. 1. Allez. T'as vu ça? Le talent à l'état pur! Dans la tête! Allez! Voilà, voilà, j'en profite, je t'écoute, mon pote! Putain, le recul aussi! Merde! Attention, attention! C'est fini. Ah.
fasse aussi bien. Ouais, mais je peux faire mieux, je peux faire mieux. Allez, une dernière tentative. 3, 2, 1, allez. Superbe tir. Est-ce que ça compte le nombre de coups ratés? T'en fais pas, mon pote. Attends. Voilà, c'est ça. Ah, ah, putain. Oh putain! Bon, 6700, c'est déjà mieux. Nouveau record, ouais. Je dois reconnaître que nous t'avons peut-être un peu sous-estimé. Mais si tu disparaisses au bout d'un moment, c'est dommage. J'aurais réussi à toucher lui, là. Frottin te détourner du gros poisson. Quel dommage. Bon, on va essayer d'améliorer le score ici. Putain, c'est vrai que oh là là, ça recharge à chaque coup, c'est chiant. Oh là là, je suis nul au snipe, je ne serai jamais sniper dans ma vie. Pourtant on est catalogué, je coupe à chaque fois. Ouais, bah recharge, c'est compliqué cette histoire. In the Navy. J'étais nul, j'étais à chier. J'étais à chier, je le sais. Ah non, mais j'ai pas le temps. Et c'est fini. Bon, est-ce que j'ai fait un petit peu mieux au moins? J'ai fait un petit peu mieux. C'est ça. Et j'ai gagné un jeton d'argent. Je m'attendais pas à ce que tu fasses aussi bien. Mais je suis pas fan de cette arme. Si tu comptes trop. 3, 2, 1, allez. En plus, il suffit que tu bouges pour que... Il est dans le tonneau. Ah putain, si j'aurais pu l'avoir lui. Quel dommage. Là. Voilà. Voilà. Le talent, l'état brut. Mais ouais, mon pote. Voilà. Ashley est en train de bonne main. Ah, j'aurais dû attendre qu'il passe, l'autre. Dommage. J'aurais dû faire un coup double sur le dernier. Non, non, j'ai fait beaucoup mieux. Pas tant mieux que ça, hein. Je dois reconnaître que nous t'avons peut-être un peu sous-estimé. Bon, et le dernier, c'est un mix des deux et. D'éliminer plusieurs cibles. 3, 2, 1, allez. Ah, les petits bâtards. Putain, j'ai tiré au pif et caché ça l'autre. Oh, enfoiré espagnolo. Oh putain de merde, j'étais à chier. J'suis à chier. Ah, je suis nul, je suis nul. 2700 points seulement. 30 secondes. C'est nul à Yesh. Oh là 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 là. Nul. Ça ne te ressemble pas.
non, c'était nul, 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 nul. Ah, je suis mauvais. Ok, à plus, campion. Pas mal. Repasse-nous voir à l'occasion. Ouais, ouais, je repasserai, t'inquiète. Ah. Non, j'en ai qu'une. N'hésite pas à repasser, étranger. Ouais, t'inquiète, j'hésiterai pas. C'est compliqué de la famille. Bon, est-ce qu'on peut aller voir Ashley? Et je re-sauvegarde. Quelque chose va forcément plaire. Bon, eh ben écoutez. J'imagine que le chemin du verre de retour va être compliqué. Voilà le plus sanctuaire, la clé. Ah! Lampe papillon. Attendez, par curiosité. Ah bah oui, bah c'est con maintenant que j'ai vendu le truc. Il y a un médaillon bleu. C'est un médaillon bleu. Elle est gigante. What the fuck? Merde. Mierda. Gloria a las plagas. J'appuie sur B pour faire des roulades, je me crois dans Dark Souls. Ah putain de merde. Mec, il s'est cru dans Dark Souls. Un petit coup de MP. Merde. Ah mais il va trop vite. Un petit œuf. Attendez, un petit œuf, ça fait toujours du bien. C'est quoi, herbe jaune, on s'en fout. Deux petits œufs même. Hop. Vas-y, attaque!
Bien joué. Comment je suis censé esquiver ça? Aïe 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 aïe. Je me suis fait niquer, j'aurais dû tirer sur la plagas. Si j'ai pas visé. Oh là là. J'ai des problèmes de visage, mais tout va bien, j'ai presque de balles. J'ai pas le droit à l'erreur. Le con. Alors, avant de me prendre le coup, avant de me prendre le coup. Allez, allez. Attends, attends, attends. Je vais d'avoir une idée. Voilà, nickel. J'ai failli finir en crêpe. Ouais, pas qu'en crêpe, mon gars. Ok. Direction l'église. Ouais, mais avant, le trésor. C'est parti. Ouais. Vas-y, mon coco. Ah d'accord, c'est là où il le nourrissait. Journal de croissance. Attends. 6 mois, ses dents viennent à peine de percer, mais il entoure tout ce qui se trouve à portée de sa bouche. Il ne peut pas encore marcher, mais il a avalé un chien tout entier. 9 mois, il est déjà plus grand que moi, mais sa croissance ne semble vouloir s'arrêter. Il commence à être à l'étroit dans la maison communale. 10 mois, nous l'avons déplacé dans la carrière, mais il continue à grandir. Il est capable de dévorer une vache entière en seulement 3 jours. 13 mois, il peut brandir notre plus grande pioche comme si ce n'était qu'une brindille. Un des hommes du village a bien failli se faire manger aujourd'hui. Il lui faut plus de nourriture. 17 mois, il ne nous reste plus que quelques vaches à ce rythme-là. Tout le village va manquer de nourriture. Nous avons demandé de l'aide au château et ils l'ont endormi à l'aide d'une incantation. Espérons qu'il ne se réveille pas de si tôt. Okay. Petit lore sur le Eli Gigante. Je fouille les décombres. Voilà, merci pour les munitions de flingue. J'ai plus de munitions de TPMP par contre, plus de munitions de ça. Est-ce que j'ai de quoi en fabriquer? On va voir ça. Ouais, non. Non, c'est ça. Fabriquer. Voilà. Mmh.
Voilà, parfait. Là, on est bien. Là, on est tranquillo. Là, on est à l'aise. Il est où? Il est où le loulou que je remercie? Il est où ce gros loulou? Bah, je sais pas. On peut monter là sur le côté peut-être? Non. Hop, c'est par là qu'il faut. Attends. C'est par là qu'il faut aller. Bon. Non, j'ai cru avoir un truc, mais non, je suis pour dire. Maintenant, Bah, pour ça, Capcom, vous nous demandez d'appuyer sur... Oh, le Capcom. En fait, ce qui est fou avec ce Resident Evil 4, c'est que j'ai l'impression de revoir Resident Evil 4 comme je l'avais dans mes souvenirs. Comme si je le découvrais pour la première fois, comme en 2005. Et ça, c'est fou. Ouais, non, c'est par là-bas, je suis con. Mais putain, le chemin est bloqué! Non, pas du tout. Non, j'avais cru voir un médaillon rouge. Un médaillon bleu, un médaillon rouge. Je me souviens bien, là, au retour, tu te faisais attaquer par des chiens. Ah bah, ils ont changé, les chiens. Oh, enfoiré! Ici, il y avait un temple, je crois. C'est pas ici. Il me semblait. Est-ce qu'on aura droit à l'énigme dans l'église ? Ça. Évidemment, une petite sauvegarde, ça fait toujours plaisir. Moi, dès que je peux sauvegarder, je sauvegarde dans ma vie. Hop. Non, j'ai pas de petite clé. Ça s'achelait. Voilà. Au final, l'affrontement. J'ai juste plus de munitions de shotgun, mais. Putain, j'ai pas assez de poudre. Très sympathique ce mécanisme. Ashley Graham, je viens vous aider. Crie pas trop fort. Chercher Ashley dans l'église, eh ben t'inquiète.
Je sais pas pourquoi je prends les carreaux alors que ça me serait inutile. Quoi? Mais par contre, calme-toi. Ça fait peur. Ouais, il y aura l'énigme. Ok. Attends, là, y a... quelque chose d'autre. Et venu sur du TMP. Ouais, par contre, l'affichage des textures qui se fait en dilettante comme ça. Bon, ça veut rien dire en dilettante, mais qui se fait à retardement. C'est un peu casse-couille, j'avouerais. Bouton bleu. Ah! Ah, faut que ça fasse le symbole de l'église, ok. Attendez. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, vous en faites pas, je vais y arriver, hein. Le verre, il est bon. Ah, là. Ça y est, je l'ai. Voilà, comme ça. Le bleu, il est bon. Non, le vert, il était bon, on a vu. C'est pas au vert, c'est au rouge. Voilà. Ah, il y avait cette énigme, d'accord. Énigme très bizarre dans une église à trouver, mais bon. J'ai envie de te dire au final, pourquoi pas. Ashley, vous êtes là? En plus, il la vous voit. D'accord. Ça me semblait qu'elle était un petit peu légèrement plus longue la face de l'église dans le. Dans le jeu, dans l'original. Voilà, tu pouvais te balancer là, il y avait un lustre et tout, il me semble que il fallait que tu traverses les lustres. Ah. Très 2005. Le jeu il est censé se passer en 2005, hein. On aura besoin d'Ashley. Ok, bon. Ashley Graham, vous êtes là? Je me suis fait un coma de... Laissez-moi. Écoutez. Eh ben, bonne émergence parmi nous, scorpion. Calme-toi. Je
Je m'appelle Léon. Je suis ici sur ordre du président et... Ok, super. Oh non, on va pas jouer cache-cache. Hey, c'est dangereux dehors. Il faut que tu m'écoutes. C'est quoi ça? Là-bas. Poursuivez-les. Les agneaux égarés s'enfuient. Perseguez-les. Offrez leur dos. Le salut. Ah, j'ai envie de terminer, tiens. Eh ben, let's go, ça fait plaisir. Normalement, alors, version originale, tout ça, vous connaissez les termes. Qu'est-ce qui se passait? Ouais, ça s'arrêtait, il sautait par le vitrail. Eh ben, écoutez, on va machine à écrire, on va sauvegarder, puis voilà. Hop. Voilà, parfait. Bon, ben on est bon là. Ah, je peux même accéder à ma machine ici. Ouais, les carreaux, c'est peut-être pas très utile. Voilà, parfait. Tac, ça a bien sauvegardé. Sauvegarde 33, comme quoi je sauvegarde beaucoup. Et 34ème sauvegarde. Voilà, c'est incroyable. Hop. Précision, j'ai été beaucoup plus précis que d'habitude, ça fait plaisir. Je regarde les autres chapitres, ça donne quoi? Mode standard, 1h42. Attends, c'est le temps que j'ai mis pour compléter les chapitres? Ouais, bah oui, parce que je peux pas passer de 1h42. Attends, c'est quel chapitre ça? Chapitre 3 à 1h. Ah ouais, putain, ça fait 1h30, 1h40, donc à peu près 3 heures de jeu. Putain, j'en suis à 5 heures de jeu, incroyable. Tac. Tac. Ouh là là. Hop. Quitter. Ouais. Les accidents, ça arrive. Vaut mieux sauvegarder tout le temps. Ah ouais, non, mais moi je sauvegarde tout le temps. Pourtant, il y a des sauvegardes automatiques, tu vois, Scorpion. Mais je sauvegarde quand même tout le temps. C'est comme ça. Tout le temps. Hop. Bah écoute, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que là, j'ai une très très grosse envie d'aller aux toilettes, on va dire. Hein, une grosse... alors, c'est rare que ça m'arrive à cette heure-là, mais là... Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir accompagné, Scorpion. Écoute, je te dis à la prochaine. À demain. Demain matin, pour Bleach, si t'es là, si t'as le goût. Et puis, si je suis réveillé aussi, si j'ai le goût. Ça va dépendre des deux. Et puis, sinon, bah, écoutez, moi, je reprendrai Resident Evil 4. Je sais pas si je ferai la suite tout de suite direct en live ou si je le ferai de mon côté. Donc, voilà. Bonne nuit Scorpion, repose-toi bien, courage à toi. Ciao. Merde, j'ai fait une capture d'écran sans le vouloir. Loul.